Oui. Lucie. Ted. Y a quelqu'un? Vous êtes là? Y a quelqu'un? Théo? Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est Pauline! Je pense que l'expérience a finalement 9 chances sur 10 de louper ce soir. On verra bien. Lucie? Est-ce que vous avez les larmes du crime? Combien y a-t-il? Une seconde. Une seconde, vous saurez tout. Où les a-t-on trouvés? Les corps de Madame Vincent et des enfants ont été trouvés dans la partie inférieure de la maison. Le médecin légiste pense que la mort remonte certainement au moins à 3 jours. L'air conditionné était en marche à tous les étages, dans le but sans doute de retarder la décomposition et la puanteur. Où se trouve pour l'instant M. Édouard Vincent, nous ne le savons toujours pas. Tout cela est contenu dans le communiqué qui vous sera remis. Mais vous n'avez aucune présomption. Lisez le communiqué et vous en saurez autant que moi. A découvert ensuite que la mère de Madame Vincent était morte depuis plus de 4 ans. Désolé de vous réveiller, Joe.
Oh, salut, Phil. Quelle heure est-il? Il est presque 20h25. J'apporte un petit casse-croûte. Ah, merci. On a quelque chose du labo? Oui, mais c'est très moche. Toute la maison de la cave au grenier a été récurée à fond. Pas une seule empreinte à se mettre sous la dent. Eh merde. Comment peut-on avoir le courage d'assassiner ces gosses et le jour de l'anniversaire du plus jeune? Je l'ignore. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Ce petit monsieur a fait une bourde magistrale le jour où il a eu l'idée de jouer au con dans ma circonscription. Montrez-le-moi en clignant des yeux. Voilà. Félicitations. Combien de doigts? 2. Je sais qu'en fait, vous voudriez parler. Vous avez un tube dans la gorge et jusqu'au fond. Il vous aide à respirer. On vous l'enlèvera dès que vous serez moins enflé. Vous aimeriez savoir la tête que vous avez. Plus tard, bientôt, tout viendra en son temps. Contentons-nous de dire que vos blessures sont très sérieuses. Mais on a vu des guérisons complètes dans des cas pires que le vôtre. Cela va exiger un peu de temps, mais tout se passera pour le mieux. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Alors, parlons un peu d'autre chose. On a trouvé sur vous ni carte d'identité, ni carte de crédit, ni portefeuille. Tout avait brûlé tout de suite après l'accident de la voiture. Nous voudrions savoir, au moins en tout cas, votre nom, votre adresse, enfin quelque chose qui nous permette de prendre contact avec votre famille. Rien? Oui, je comprends. Ça doit être affreux pour vous d'avoir ainsi perdu la mémoire. Mais avec les lésions cérébrales que vous avez subies, c'est très courant. La mémoire reviendra bientôt, d'ici peu de jours. En cas contraire, nous ferons bien sûr le nécessaire pour qu'elle revienne. Ok? Alors, reposez-vous en attendant. Tout va bien. Trace de la voiture dans une agence de location de Seattle. Elle a été louée à Monsieur Theodore Grant. Ce n'est pas vous, je le crains. Grant était parti en voyage d'affaires pour 2 semaines. Il semblerait qu'une seule lui ait suffi. Mais son employeur avait payé d'avance une autre. Alors, la seconde semaine, quand un gars au bar de son hôtel lui a dit avoir besoin d'une voiture, il s'est dit qu'il pouvait se faire un peu de fric. Le nom du type est Allen Delvin. Ça n'évoque rien pour vous? Devlin séjournait dans le même motel. Malheureusement, le concierge ne se rappelle pas très bien et ce monsieur Grant avait bu de surcroît. Il se souvient très mal des détails. Donc, vous le voyez, nous manquons d'éléments. Peu de choses dans les archives du motel. Devlin a payé cash. Voilà sa signature sur le registre. Pas d'adresse personnelle. Apparemment, il ne tenait pas à remplir le questionnaire. Quoi qu'il en soit, nous continuons à remonter systématiquement la piste d'Allen Devlin. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe plus que les autres. Theodore Grant a traité avec un seul gars.
Et vous étiez deux dans la voiture. Vous avez été éjecté. L'autre a eu moins de chance que vous. Il a été brûlé au point d'être méconnaissable. Nous ignorons lequel de vous deux conduisait. Vous voyez que notre problème consiste à savoir qui vous êtes, mais aussi qui est la personne qui est morte dans l'accident. Oui. Et quand est-ce que tu vas passer, ce Vincent? Faudrait bien tirer un nouvel 5/4. Si t'arrives à mettre la main sur ce fumier, envoie-le chez moi tout de suite, d'accord? Ma femme et mes gosses me rendent dingue. Tu te crois drôle, peut-être? Si le fait d'assassiner un gosse de 5 ans te fait rire, tu es un crétin. Dans Stanan, ici t'es pas le chef de la police, attention, mais un gars qui a du bide et qui sait pas rigoler. Arrête, Joe, il plaisante. Mais il a raison. Qu'est-ce que tu entends par « il a raison » C'est vrai que t'es du bide. T'en as encore plus que moi. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Attends, je viens de voir. Qu'est-ce qui se passe, mon ange? Je peux pas dormir. Non, c'est rien. Ça va venir. Allez, je ferme la porte de Marc pour ne pas le réveiller. Dépêche-toi, lève-toi, tu sais bien qu'il est l'heure. Oh non, j'ai tout mon temps, je me lèverai à 5 heures. Non, dépêche-toi. Oh, t'as qu'à raconter aux voisins qu'un rôdeur t'emmerde et... Non, allez. Bouge, lève-toi. Arrête, fiche-moi la paix. J'ai eu une dure journée, je suis fatiguée. Et moi, je suis fatiguée de ce genre de discussion, alors lève-toi et sauve-toi. Tu vois, si on était mariés, on ne serait pas obligé de faire des cachotteries comme de vulgaires collégiens. Je ne suis pas disposée cette nuit à parler de ça. Dis-toi bien que je viens de sortir d'un divorce et que je commence à en avoir assez de toujours rester seule, moi et mes gosses, tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi ne te contentes-tu pas des choses telles qu'elles sont? C'est le problème, justement, Chris. Je refuse que les choses soient ce qu'elles sont. Excuse-moi. Voilà, vous avez eu deux petits déjeuners. Que voulez-vous d'autre? Un miroir? C'est non, je suis désolée. Oui, je sais, c'est votre visage. Mais vous devez me croire, nous n'avons pas l'intention de vous cacher quoi que ce soit. Vous aurez tout le temps de vous regarder dans la glace après la première opération. Alors seulement vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Pas de visage, pas de nom, je ne suis personne. Vous allez retrouver votre visage. Et vous avez forcément un nom. Il y avait deux hommes dans la voiture et l'un des deux s'appelait Alan Devlin. Donc il y a 50 chances sur 100 pour que ce soit vous. Peut-être. Voilà, à la bonne heure.
quoi dois-je cet honneur? J'ai eu envie de rendre visite à une vieille amie. Il y a je ne sais combien de temps que tu ne m'as appelé Joe Stenner. Tu n'es pas là par hasard. On ne te la fait pas, toi, hein, je vois. Maggie, j'ai besoin de ton aide. Tant mieux, si je le peux, d'une manière ou d'une autre. Je veux savoir ce que Vincent avait dans la tête ce soir-là. Ce qui lui a traversé l'esprit. Qu'un gars puisse foutre en l'air sa femme et ses gosses de cette façon, je trouve ça insensé. Dans presque toutes les situations de ce genre, l'assassin est l'objet d'une certaine forme de paranoïa aiguë. Il s'est peut-être figuré que sa famille s'était jurée de le détruire. Alors il se rebiffe et il détruit sa famille avant. Ou alors il peut décider que le meurtre de sa famille aura pour effet de lui épargner un destin pire encore. Oui, mais la façon dont il l'a fait. Tuer des enfants dans leur sommeil. Les trimballer dans les escaliers et les mettre en place comme dans un vulgaire muséum. Et ensuite se rendre à son bureau comme si rien ne s'était passé. Ça vous rappelle quelqu'un? Boris Karloff, un peu. Pourquoi est-ce que ça me rappelle Boris Karloff et absolument rien de mon visage à moi? Ben, honnêtement, Alain, j'en sais rien. D'ordinaire, une amnésie aussi persistante que la vôtre a une cause physiologique, mais les neurologues ne peuvent en donner aucune preuve. Pour l'instant, on va continuer cette thérapie et on va voir où elle me conduit. Ce qui est sûr, c'est que votre intelligence et vos capacités fonctionnelles sont intactes. Les tests sont probants. Dans tous les cas, vous allez devoir décider de l'apparence que vous voudrez avoir au bout du compte. Qu'aurais-je précisément à décider? En premier lieu, quel genre de nez voulez-vous? Dans une certaine mesure, s'entend. Il va falloir faire une greffe osseuse, et après ce qui est arrivé, il n'y a aucun moyen de savoir à quoi vous ressembliez. Vous avez un catalogue avec les prix? Le malade du 35 a demandé à vous voir. Salut, j'ai très peu de temps, ma garde d'enfant m'attend, mais je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent que je décide quel genre de nez je souhaiterais avoir. Apparemment, j'ai un certain choix en la matière. Mais c'est merveilleux, non? C'est assez effrayant aussi. Quoi que je décide, il me faudra le garder jusqu'à mon dernier jour. Vous voyez le bon côté de la chose? Songez au nombre de gens qui seraient heureux d'avoir un faux nez. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire choisir un nez. Mais enfin, vous avez compris. Oh, c'était très drôle. D'autant que le mien était quelconque pour autant que... que j'arrive à me rappeler. Bonjour. Je suis vraiment désolée, je suis très en retard. Oh, ne vous en faites pas, on n'a eu aucun problème aujourd'hui. Et comment ils ont été? Merveilleux d'un bout à l'autre. C'est vrai ça? Oui. Tu as été merveilleux? Mmh? Tu en fais des jolies choses. Oui. De véritables anges. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Ah, oh, zut. Allô? Maman! Ah, salut Mike. Maman! Maman! C'est très très gentil à toi, mais je... vous pouvez partir, au revoir. Dis donc, j'avais prévu de me coucher tôt ce soir. Non, c'est surtout que je suis crevée. Allez, au revoir. Mais laisse-moi tranquille, Marc. T'avais promis, d'accord? D'accord. Écoute. Maman! Mike, on en a parlé une centaine de fois. Arrête de m'embêter avec ça. Maman! Écoute. Maman, au cinéma! Mais non, j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Maman! Non, maman! C'est ça. D'accord? T'as promis. Entendu plus tard. On se retéléphone. Laissez la plaie comme ça pour l'instant. Ah, ça va être très joli. Bien. Alan. Ah, salut, Barney. Quel effet ça vous fait d'être sorti? Oh, fantastique. On se sent seul, mais c'est assez excitant. Vous êtes la première personne dans l'histoire de cet hôpital à avoir offert aux internes et aux chirurgiens une nuit aussi passionnante. Oui, pour moi, c'était ma première nuit loin de chez moi. C'est tout. Oui, je sais, mais je suis heureux que ça se soit bien passé. Vous vous plairez ici, je pense. C'est l'endroit idéal pour commencer à s'acclimater en douceur au monde extérieur et à une vie normale, vous verrez. Normale? Certainement.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Bientôt, vous trouverez le travail que vous souhaitez et un endroit où vous vous sentirez chez vous. Ouais. À présent, vous allez vivre. Et vous verrez, le passé comptera de moins en moins. Voilà, Alan Devlin. Ah oui, je me souviens que les flics voulaient. Je m'excuse, monsieur. Ah non, c'est long, n'est-ce pas? Je vous remettais pas. Oui. La chambre est libre. Vous pouvez vous installer. Merci. Rien. Pas même une lueur. Je devais bien avoir une raison pour être dans cette ville. Peut-être quelqu'un le sait-il. Je comprends l'importance que cela peut avoir pour vous de savoir qui vous étiez, mais le docteur Barnet a raison. L'important à présent, c'est celui que vous êtes aujourd'hui. Il faut regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Oui, je sais, Chris. Mais il reste des dizaines de questions sans réponse qui m'empêchent de penser à l'avenir. Je ne sais pas qui je suis vraiment. C'est très étrange. C'est comme si je n'avais jamais vu une route ou un pont. Et je suis sûr d'en avoir vu. D'une certaine façon, je suis né à l'hôpital il y a un an. Tout ce que je fais, je le fais pour la première fois. Je vous envie, ça doit être très excitant. Vous voyez, c'est une des choses que j'aime en vous. Quoi? Dès qu'on s'est vu le premier jour, vous avez été positif sur tous les points. Quand je me lamentais de ne plus avoir de visage, vous me disiez que je redeviendrais mieux qu'avant. Quand je me plaignais de ne pas savoir qui j'étais, vous me parliez de ma personnalité présente. Je crois que sans vous, jamais je ne m'en serais sorti. Oh, vous vous en seriez bien sorti sans moi. Mais je suis bien contente d'avoir été là. Vous vous rendez compte que c'est la première fois que vous n'êtes pas l'infirmière et moi le patient ? Nous ne sommes qu'un homme et une femme roulant dans la nature. C'est une sensation très agréable. À qui le dites-vous? Vous n'êtes pas trop pressé d'entrer? En fait, j'ai dit que je ne rentrerai pas beaucoup plus tard que 4 heures. Ou alors je téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire à votre sortie de l'hôpital? Marcher beaucoup le long de la plage. Réapprendre tout ce que j'ai oublié. Fonder une famille, peut-être. Oh. C'est très merveilleux. Des poulets. Je lèverai peut-être des poulets. En tout cas, je sais une chose. Quoi? Vous me manquerez. Vous me manquerez aussi. Mais vous ne regrettez pas la cuisine de l'hôpital? Non. Ce n'est pas la cuisine que je regretterai. Ah, Dieu, que c'est beau tout ça. Oui, très. Déjà marié, tu as réfléchi à ça? Écoute,
Mike, tu crois que je me serais engagée dans cette histoire sans me poser toutes les questions possibles? Alors, tu leur as donné de mauvaises réponses. Je n'attends pas de toi que tu comprennes. Tu es en colère, c'est tout. Tu as pensé à nous, Chris. Dis-moi, tu as pensé à nous? Hein? Je suis amoureuse d'Alain. Je veux commencer une nouvelle vie. Pour moi et les enfants avec lui. Foutaise, tout ça. Tu ne veux pas un mari. Tu ne veux pas un homme réel, avec une vie à lui qu'il te faudrait partager. Non, ce n'est pas du tout ce que tu veux. Tu te fous d'un mari, Chris. Tu veux un autre enfant. Excuse-moi, Chris. D'accord. Excuse-moi. C'est que je m'inquiète pour toi. Tu comprends? Et puis, comment ferez-vous pour vivre tous sur ton salaire? Il a trouvé du travail. D'accord. Je vais déjeuner. Bon appétit. Il y a longtemps que tu attends? Non. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien. Tu as vendu des maisons aujourd'hui? J'ai signé un accord sur la maison Smith. Génial, il faut célébrer ça. Je te crois qu'on va célébrer ça, fais-moi confiance. Mais pas tout de suite. Il ne faut pas vendre la peau du client avant de l'avoir tué. Six ans plus tard. Bonsoir, patron. À demain. Excusez-moi. Terminé pour aujourd'hui. Quelque chose à une thème, Ford. Joe? Ah, salut, Phil. Servez-vous à boire. Non, merci. Je suis en retard. Je voulais juste vous déposer ça avant de rentrer. Oui, merci. On l'a remis au commissariat par erreur. Oui? Du nouveau? Non. Mais ça peut servir. Ça a dû vous coûter la peau des fesses de faire tirer toutes ces photos, hein? J'ai un tuyau. Hein? Ah. Joe, ça ne me regarde pas, mais je crois que vous donnez à tout ça beaucoup trop d'importance. Le fait qu'il vous ait épinglé n'a strictement rien à voir avec cette affaire. C'est de la politique et tout le monde le sait. Si j'avais mis la main sur Vincent, il ne m'aurait pas mis à la retraite. C'est une enquête qui est toujours ouverte. Mon enquête. Si ce gars est encore en vie, et je crois qu'il l'est, il faut que je le cherche. Je n'ai pas deux solutions. Ouais, c'est peut-être vrai. Ah, Betty va m'assassiner. Salut, Joe. Faites attention, Phil.
bientôt plus la boue sur la tête maintenant. Non, ne faites pas ça. C'est pas juste. Vous êtes deux contre moi. Viens, mon ange, tu dois être gêné. T'as qu'à te défendre. Toi qui as le droit, là. Une minute. Un baiser, je m'en vais. Mais ma boue. Assieds-toi. Un baiser. Toi aussi, tu vas me faire un gros baiser. D'accord. Commence pas. Au revoir. Quoi? Ah zut, allez, ça suffit les enfants. On se remet au travail. Le temps prévu pour Seattle et les environs. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux avec des averses intermittentes. Température maximale, les départs sont à 10 degrés. Minimale, à moitié environ dans la soirée. L'Ohio? Je n'ai jamais été dans le Middle-Ouest. Bon, ça ira? Très très bien, très joli. Combien de temps restez-vous? Oh, c'est pas bien encore. Ah bon, peu importe, la chambre est libre. Restez Merci. Le temps que vous voulez. Merci infiniment. De rien. Marty, voulez-vous demander l'ingénieur civil? Je suis dans mon bureau. Tout de suite, monsieur Devlin. Ed! Pardon? Ed Vincent, c'est ça? Ah non, désolé. Ah non, non, je vous aurais reconnu n'importe où. Pourtant, il y a longtemps, n'est-ce pas? Vous avez un peu changé, mais c'est notre cas à tous. Hein. Il est rare qu'on rajeunisse. Vous avez l'air en forme, Ed. Je regrette, mais vous devez sûrement confondre avec... Cedar Grove, Ohio. Ah, je peux vous dire que vous avez épousé une Lucie. Oh, mon Dieu, quel était son nom de jeune fille? Vous avez trois enfants, non? Dites-moi, quel est votre nom? Je suis arrivé. Heureux de vous avoir revu. Non, Ed. Attendez, excusez-moi, laissez-moi passer. Mais attendez-moi, voyons. Et il a continué à m'appeler Vincent, Ed Vincent. Il avait l'air si sûr de lui. Tu vois, ces dernières années, j'étais presque parvenu à me convaincre que je savais qui j'étais, quoique mon passé soit ici. Et un jour, un étranger me tombe dessus dans un ascenseur et me prend pour quelqu'un qui a une femme et des enfants quelque part ailleurs. J'ai peur, Chris. J'ai peur pour nous. Ça ne changerait rien, je me sens bien avec toi. Je t'ai fait une promesse un jour. Et quel que soit le passé, il ne saurait nous séparer. Toi, moi et les enfants. Je t'aime, Alain. Moi aussi, Chris. Les empreintes digitales de l'homme que je recherche n'ont jamais été prises. Il n'y a pas de raison. Tout ce dont je dispose, ce sont des radios dentaires et son groupe sanguin. Alors j'essaie d'en tirer tout le parti possible. Mais cet hôpital ne peut livrer aucune information sans le consentement de l'intéressé. Vous êtes au courant. Docteur, cela se passerait uniquement entre vous et moi. Si les radios ne correspondent pas, j'oublie tout ce que j'ai vu ici et je m'en vais. Qu'avez-vous juste à reprocher à ce monsieur Devlin? Je regrette, je n'ai pas le droit de vous le dire. Bon, on va bien m'excuser, monsieur Steiner, j'ai un gros travail à terminer aujourd'hui. J'aurai ces radios, vous le savez. Seulement de Devlin lui-même. Au revoir, docteur. Dites-moi une chose. Vous croyez vraiment qu'il a perdu la mémoire? Je n'ai pas le moindre doute là-dessus.
Désolé pour l'autre jour dans l'ascenseur. Mais j'avais besoin de voir votre réaction en entendant le nom d'Ed Vincent. Mais qu'a fait Ed Vincent? Croyez-moi, il vaut mieux que vous l'ignoriez. Ne fuyez pas la question, Monsieur Stenner. Qu'a-t-il fait? Si vos radios ne correspondent pas, c'est sans importance. Vous n'entendrez plus parler de moi. Et dans le cas contraire? Ce sera un bon point de départ. Je veux savoir. Sinon, rien. Je ne voulais vraiment pas être obligé d'en venir là. Il a fracassé le crâne de cet enfant. Ensuite, il lui a mis un chapeau en papier, comme s'il était encore à la fête d'anniversaire. J'ai vu beaucoup de choses au cours de ma carrière. Mais des gosses dans cet état, je ne l'oublierai jamais. Je ferai tout ce que vous voudrez. Voici les radiographies de Vincent. Comme vous le voyez, il est impossible de faire aucun rapprochement avec les photos que je viens de vous montrer et qui ont été prises quand M. Devlin est entré à l'hôpital. Il était en trop mauvais état pour qu'on ait une image satisfaisante. Dommage qu'il n'ait pas eu un plombage ou autre chose, mais il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc la seule preuve que nous ayons, c'est que M. Devlin et ce Ed Vincent ont le même groupe sanguin, A positif. Comme des millions de gens. Et qu'allez-vous faire maintenant? Oh, je sais pas trop. Vous traînez dans Manchester quelque temps. Pourquoi? Rien dans ces radios ne prouve que je suis Vincent. Et rien dans ces radios ne me prouve que vous ne l'êtes pas. Monsieur Stenner, je ne me rappelle peut-être pas mon passé, mais je crois me connaître un peu. Jamais je n'aurais pu faire ça. J'aimerais réellement vous croire, Monsieur Devlin. Alors, quel est le problème? Mon papa a dit à Paul d'arrêter de faire des croûtes dans la baignoire. Je vais le sortir, apporte son pyjama. Il est trop lourd. C'est normal pour un petit garçon. Pas vrai? Cathy raconte des histoires. Je faisais juste des bulles dans l'eau. Vous êtes pardonné, capitaine Bulle. Debout, allez, vite, on se lève. Allons-y. À quoi j'ai droit? Un baiser ou des chatouilles? J'ai gagné 50 baisers par jour. Tout de suite. Allez. Oh, oh, à moi, papa. Viens. Je faisais pas des proutes. Si ce Stenner est vraiment celui qu'il dit qu'il est, je peux le savoir dans la matinée. Mais le reste sera moins facile. C'est une autre paire de manches, ça. Je sais, John, je comprends. Mais je m'en fous. Fais ce qu'il faut, d'accord? Sois tranquille, Allen. Je n'hésiterai pas à te faire claquer un joli petit paquet de fric. Bien. Au revoir. Qui était-ce? John Davy. Il te salue bien. Oh. De quoi vous avez parlé? Oh, la routine. À propos d'un loyer commercial. Allen, je te connais trop bien. Dis-moi ce que tu as. Mais je n'ai rien. John va essayer de savoir, s'il le peut, qui je suis, une dernière tentative. Et puis ce sera fini, promis. C'est au sujet de l'homme qui a cru te reconnaître? Dis-moi tout, Allen. Continue. Qui est cet homme? Il s'appelle Stenner. C'est un flic, un ex-flic de l'Ohio. Ah. Non. Est-ce qu'il sait quelque chose sur toi? Il le croit. Eh bien, que croit-il? C'est affreux. En fait,
C'est à peine si on peut l'imaginer. Monsieur Steiner? Vous êtes sans doute Madame Devlin. Je vous en prie, vous savez très bien qui je suis. Vous nous avez espionnés dès votre arrivée ici. Et vous n'avez rien pour justifier ces horribles accusations que vous portez. Alors rentrez chez vous une bonne fois pour toutes et laissez-nous tranquilles. Une minute, Madame Devlin. Il y a une possibilité que votre mari soit Ed Vincent. Et s'il y en a vraiment une, je ne peux pas m'en aller. Allen, sachez-le, est un homme honnête. C'est un excellent mari et les enfants l'adorent. Il est exclu une fois pour toutes qu'il soit un criminel. Votre mari est un homme dont le passé est enseveli pour toujours sur une grande route quelque part. C'est un créatif, presque exactement comme l'était Ed Vincent. Est-ce juste une coïncidence? Peut-on jurer que ça ne se reproduira plus? Vous auriez dû venir me voir d'abord. Vous poussez ces gens à bout et finalement, c'est moi qui vais récolter les ennuis. Ouais, vous avez raison. J'aurais dû d'abord venir vous voir. Les documents médicaux sont sans intérêt et vous démarrez avec rien. Pourquoi restez-vous? Je continue à croire qu'il est Ed Vincent. Sur quoi vous basez-vous? Sur 30 années d'exercice. Votre Allen Devlin est mon Ed Vincent. Dites-moi une chose. N'en feriez-vous pas une affaire personnelle? Personnelle? J'ai passé 7 ans de ma vie à rechercher Ed Vincent. Et on m'a mis à la retraite avant que je l'aie trouvé. Foutu à la porte pour mettre à la place une sorte d'ordinateur tout feu, tout flamme. Dans votre genre. Appelez ça, si vous voulez, une affaire personnelle. Désolé, j'appelle ça être un policier, c'est tout. Vous pouvez vous tromper sur Devlin. Et si je décide que c'est le cas, je vous préviens tout de suite. Je ne resterai pas là à vous regarder harceler ces gens. Voilà ce qui m'a amené dans cette ville. J'ai reçu ça par la poste, d'un expéditeur anonyme. Alors? Vous savez qui a envoyé ça? Qui? Je crois que c'est Allen Devlin. Ça, c'est vraiment la meilleure. Je crois qu'il a perdu réellement son identité. Il se souvient de rien. Mais quelque part à l'intérieur d'Allen Devlin se cache un homme qui était autrefois Ed Vincent. Ed Vincent sait ce qu'il a fait. Et il sait qu'il pourrait le refaire. Je suis sûr qu'il veut que l'on l'en empêche. Parce qu'il est incapable de le faire lui-même. C'est une bombe à retardement. Qui risque d'exploser. Allen, monsieur Theo Grant. Bonjour. Il paraît qu'on s'est rencontrés. Oui, je suis au courant. De quoi vous souvenez-vous à mon propos? Je souhaiterais vous parler seul à seul, monsieur Devlin. Ne le prenez pas mal, surtout. Je t'attends dehors. Alors, monsieur Grant, j'écoute ce que vous avez à me dire. Vous voulez une bière? Non, merci. Monsieur Grant, j'ai eu de grandes difficultés à vous rencontrer. Ah, et dépenser du fric aussi. Le privé qui attend là-dehors, qui me pistait dans Louisville, me surveillait ici. Et j'ai fini par comprendre que c'était vachement important pour vous. Je me trompe? Il y a 7 ans, vous avez donné les clés d'une voiture louée à un homme dans un bar. Et cet homme, c'est peut-être moi. À l'époque, vous avez dit être trop saoul pour vous rappeler. John Davy dit que peut-être vous aviez menti. On voit tellement de gens dans les bars. Et j'ai loué des dizaines de voitures, il y a longtemps de cette histoire. La mémoire est une si faible chose, non? Ah.
Votre ami détective voulait savoir si vous ressembliez au gars qui est sur cette photographie que je possède, avant votre accident et la chirurgie esthétique. Alors ? Il y a longtemps, je vous l'ai dit. Alors ça dépend, vous comprenez ? Ça dépend de quoi ? De moi, disons que, ou vous voulez réellement que je me rappelle si vous aviez la tronche du gars qui est sur cette photo ou non. Si ce gars a gagné à la loterie, c'est une chose. Mais s'il est dans la merde, c'est différent. Vous saisissez ? Elle est très jolie, votre voiture. Combien elle vaut ? 30, 35 000 dollars. Je n'ai pas de temps à perdre, Grant. Mais une seconde ! On est dans la merde tous les deux, alors on peut s'entraider ! Ah, merde ! À ta place, Kitty. On mangera dès que papa sera rentré. C'est maintenant que j'ai faim. Alors, tu n'as qu'à croquer et un morceau de céleri. Maman, c'est mauvais pour les enfants. Maman, je suis sûre. Bien, tu es toute mouillée, va vite te changer. Allô ? Lucie ? Bonsoir chérie. Je suis un peu en retard. C'est dingue ici. Je pars tout de suite. Désolée, vous avez fait un faux numéro. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lucie ? C'est moi, Ed. Je rentre vite. Il n'y a aucune Lucie ici. Je ne connais aucun Ed. Sûrement, vous avez fait un faux numéro. Une seconde. Je sais ce que tu es en train de faire, Lucie. Tu es avec quelqu'un en ce moment, hein ? Qui est-ce, Lucie ? Je te conseille d'être seule quand j'arriverai. Si tu veux. D'accord, merci maman. C'est tout. Ça va ? Oui. Tu as faim ? Non, j'ai dîné chez Barry. Je t'avais prévenu ? Oui, je me souviens. T'es sûre que ça va, maman ? Oui, très bien. Approche-toi. Allez, va vite faire tes devoirs. J'y vais. Qu'est-ce que tu as ? Ça va ? Allons. Ça va mieux maintenant ? Chérie,
monter? Non, merci, j'ai besoin d'exercice. Je suis sûr que vous avez envie de monter. Vraiment? À quoi de neuf? Un mec a téléphoné à Chris Devlin hier soir. Il a dit être Ed Vincent, et il l'appelait Lucie. Lucie était la femme de Vincent. Vous avez une idée? Oh, je vois le fond de votre pensée. Vous vous demandez si ce n'est pas moi qui ai téléphoné. C'est pas si bête que ça. Vous voulez qu'on fasse un pari? Je joue ma pension qu'Alain Devlin n'était pas chez lui quand elle a reçu le coup de téléphone. Si je vous suis bien, vous croyez que c'est Alain Devlin qui a appelé sa femme pour lui ficher la trouille en changeant sa voix. C'est de la folie. Non, ce que je crois, c'est qu'il ignore tout de ce qui se passe au fond de lui. Qui il était avant, il ne le sait toujours pas. Mais Vincent le sait, lui. Il se cache. C'est une sorte de parasite enterré profondément dans la tête de Devlin. Il veut nous avertir de sa présence avant qu'il ne soit trop tard. Vous perdez votre temps, Steiner. Ok, ok. Mais quand un nouveau drame se produira, ne venez pas dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que ça arrivera à petit, un jour ou l'autre. C'est vraiment un choix. Oh. Arrête d'y venir, maman. Tu me gênes. Oh. D'accord, d'accord, sauvez-vous. J'ai droit à un baiser. C'est bien. Bonsoir, chérie. Qui est-ce qui vient de sortir d'ici? C'était Mike Patterson. Il est venu pour te dire qu'il avait vu Steiner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Steiner te suivait? Il a fait tout ce chemin juste pour dire ça? Oui. Ça n'a pas l'air d'être la seule raison. Mais que veux-tu dire par là? Patterson est encore amoureux de toi. Et je ne serais pas surpris que Steiner et lui soient de mèche. Pourquoi voudrais-tu qu'il fasse ça? Eh bien, parce que si Steiner est convaincu que Vincent c'est moi, je suis mis sur la touche et Patterson a une nouvelle chance avec toi. Alain, tu es ridicule. N'empêche que le seul gars ici qui peut m'aider est précisément ton ex-amant. Ce n'est pas juste de dire ça. Mais pourquoi es-tu tellement sur la défensive? C'est ton ex, oui ou non? Je vais tâcher d'oublier que tu as dit ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Tu as faim, hein? Ah, je parie que c'est ça. Oui. Raconte-moi, tu as été sage? On ne bouge plus.
Monsieur Stenner? Oui. Le sergent Murphy vous appelle de l'Ohio. Merci. Allô? Yo, Phil Murphy. Écoutez, Phil, dites-vous bien que les gens dorment ici. Joe, j'ai trouvé un type chez vous en train de fouiller. Qui est-ce? Ah, il a dit qu'il vous connaît. Et il s'appelle Davy. John Davy. Ah, merde. Où êtes-vous maintenant? Dans votre maison. Qu'est-ce que je fais du type? Écoutez, Phil, laissez tomber, voulez-vous? C'est un privé. Je sais qui c'est, aussi pour qui il travaille, il est inoffensif. Entendu, si vous êtes au courant. Envoyez-le-moi pour que j'aie le plaisir de lui foutre mon pied au cul. Et si vous vouliez mettre le nez dans mes dossiers, pourquoi diable ne pas me l'avoir demandé? J'ai cru que vous me l'auriez refusé. J'ai passé mon temps à supplier les gens de consulter mes dossiers pendant des années. Aujourd'hui, on s'introduit chez moi de force pour le faire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez dans ce métier? Vous prenez pour Sherlock Holmes? Je suis persuadé, Stenner, que vous auriez agi comme moi. Oui, peut-être, mais personne ne l'aurait su. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Pas vraiment. Entendez-vous par pas vraiment? Rien de spécial, Stenner. Rien qui vaille qu'on en discute. Ah. Rien qui vaille qu'on en discute. Hein. Des détails de nature à innocenter votre client. Si vous aviez quelque chose susceptible de le sauver, j'aurais l'air d'un con, n'est-ce pas? Vous savez ce que j'ai trouvé chez vous. Qu'avez-vous trouvé? Un tas de questions à votre propos. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites? Pourquoi pourchassez-vous Alan Devlin? Dites-moi, Stenner, quel est le flic qui consacrerait 7 années de sa vie à retrouver un seul criminel? Où t'es garé? Au bord de la route. Moi, je suis par là. Tu veux que je te dépose à ta voiture? T'inquiète pas, je vais couper par là. D'accord, à demain matin. Bonne nuit. Salut. Salut. Léo? Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Allô, sergent Murphy, je vous prie. Allô, Phil, c'est moi à nouveau. Non, il ne s'agit pas de Davy, c'est plus grave. Vous rappelez-vous le monstre toujours masqué qui sévissait il y a 7 ans? Ouais, le masque est différent, mais c'est le même genre d'agression. Il y en a eu 5. La première était une sorte de simulation, comme la nuit dernière, sans véritable pénétration. Toutes les autres furent des viols avec une violence croissante. Il a failli tuer les 2 dernières. On ne l'a jamais retrouvé. Mais les agressions cessèrent aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Et à quelle date ont-elles cessé? Voilà ce qui est important. La dernière agression a eu lieu 3 semaines avant l'assassinat des Vincent. 3 semaines avant qu'Ed Vincent ne disparaisse. Mac Patterson, j'aimerais que vous veniez tout de suite ici, au bureau de John Davy. Quand le gardien de nuit est passé, il l'a trouvé flottant dans l'eau. Je vous l'ai dit, le jour il s'est introduit chez moi. Il a été convaincu que Devlin est vraiment Ed Vincent.
Il aura peut-être été assez con pour le lui dire. Enfin, avec un peu de chance, le cric de Devlin aura disparu. Vous nous permettez d'entrer? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un mandat. Assassiné. La dernière chose que John Davy m'ait dite avant de partir en Ohio, c'était qu'il était sûr de pouvoir prouver que je suis Ed Vincent. Alors pourquoi aurais-je voulu sa mort? Vous avez été le seul à entendre les dernières paroles qu'il vous a dites. Allen, vous n'avez pas prouvé votre innocence. Oui, bien sûr, la loi américaine et sa grandeur d'âme. Ce maniaque de Stanner a décidé que j'étais Ed Vincent et il fera tout pour le prouver, aidé par ce type. La petite partie de pêche a été fructueuse. Alors, puis-je considérer comme établi que vous ficherez désormais la paix à mon client? Bien. Mais à toute personne qui n'aura pas quitté les lieux, disons, d'ici 5 minutes, risquera de son plein gré de faire l'objet de poursuites judiciaires. Messieurs. Appuyez sur le bouton. D'accord. Tu as gagné. Encore une fois. Paul, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Dépêche-toi. Vite. Thank you.
tout de suite. Ah, où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé dans le hangar du jardin. Je veux que vous descendiez. Viens, Paul, on descend. Allez, vite, Marc, dépêchons-nous. Pourquoi? Où on va? Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa. Paul. Qu'est-ce qui se passe? Là-haut, dans le hall. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Allez sonner chez la voisine, chez Madame Connors. Et restez-y jusqu'à ce que je vienne vous rechercher. C'est compris? Pourquoi tu viens chez elle? Chris, je te jure que je n'y comprends rien. Quelqu'un est en train de me manipuler. Ce Stenner ou ce crétin de Mike Patterson, de beau salaud. Nom de Dieu! Chris, je te jure que je n'ai jamais vu ce masque de ma vie. L'un des deux l'a déposé ici pour me compromettre. Je t'en prie, il faut que tu me croies sur parole. Je voudrais bien te croire. D'accord. Al, c'est Allen. Il faut que je te voie. Non, tout de suite, c'est urgent. On en parlera de lui, quoi. D'accord. Dans 20 minutes environ. Bon, très bien. Au revoir. Où est-il, Chris? Son avocat vous le dira. Je crois inutile de vous dire qu'il n'a aucun intérêt à s'enfuir. Je vous l'ai dit, adressez-vous à l'avocat de mon mari. Allen, il ne faut pas que tu fasses ça, tu comprends? Ce masque ne constitue pas une preuve suffisante. Il le faut. Écoute, Al. Pour une fois, oublie que tu es avocat. Et sois mon ami. Un amnésique définitif. J'ai qualité pour le présenter. Que vous vous compromettiez n'est pas une solution. Vous manipulez la loi. Et que peut-il faire de plus? Faire les pieds au mur? Faire des grimaces? Je vous pose la question, Allen. Vous êtes sûr de votre décision? C'est le seul moyen que j'ai de me battre. Très bien, Allen. Allons-y. Nous voilà dans le sanctuaire. Alan, c'est ici. Un vrai petit chez-soi. Il n'y a rien là d'illégal. C'est un malade qui se soumet au traitement qui convient à un état reconnu par la médecine. Et qui le met hors de notre portée. Aucune formalité n'a été omise. Vous avez été avisé immédiatement de la découverte du masque. Si vous décidez de porter une accusation, son état sera réexaminé par l'autorité médicale. Je vais vous dire une bonne chose, mon vieux. S'il m'arrive d'être dans la merde, je ferai appel à vous. Vous, les hommes de loi, je vous jure. Pas de crise de nerfs, pas de crise de nerfs. Tant que Devlin sera à l'hôpital tenu en laisse, sa femme et ses enfants sont en sûreté. Et vous verrez. Aussi vrai que nous sommes assis dans ce bureau, les agressions vont cesser. À votre santé. Vous croyez possible que je sois vraiment Jekyll et Hyde à mon insu, comme Stenner le prétend?
À mon avis, quand il arrive une chose comme celle-là, on en est conscient, non? Parfois les autres en sont conscients avant vous. Mais je suis sûr, en tout cas je crois, que quelqu'un a planqué ce masque chez moi. Dans un but quelconque. Stenner? Peut-être. Ou alors qui d'autre? Vous saviez pour Mike Patterson et Chris? Il n'y a plus rien entre eux depuis longtemps. Mais s'il était encore amoureux... Allô, ici Joe Stenner, le chef Patterson est près de moi. Vous avez du nouveau? Vous allez être déçus. Voilà, nous avons des empreintes de Devlin et des enfants. Également des traces de salive des enfants et quelques cheveux, mais rien de précis de Devlin. Merci. Continue. Excusez-moi, où sont les... Oui, à l'étage au-dessous, à droite. Merci. Quelle raison ne m'avez-vous jamais parlé d'elle? Je n'ai rien à dire, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, tu parles, oui. Toutes ces photos au-dessus de votre lit, c'est de l'histoire ancienne. C'est terminé depuis 6 ans, sachez-le, Stenner. En tout cas, on dirait que c'est loin d'être terminé pour vous, parce qu'il y a bien une 50aine de photos d'exposées. Oui, mais ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas l'intention d'en parler. Devlin qui m'a envoyé cette coupure de journal. C'est vous, n'est-ce pas? Cette affaire vous a fait perdre la raison. Quand vous avez vu mon questionnaire sur Vincent, vous vous êtes dit que c'était dans la poche. Le moyen idéal de foutre la merde dans le couple Devlin. Les dates convenaient bien. Il y avait l'âge requis, la bonne taille, l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Non. Et moi, la parfaite dupe. Je parie que vous avez dû bien rigoler de moi. Ça n'a rien à voir avec la réalité, Stenner. Oui, j'ai envoyé l'article. Mais je ne voulais pas que ça ait l'air d'une vengeance personnelle et je n'ai pas signé. Mais j'ai pensé qu'il y avait une assez bonne chance que ce soit Devlin. Et si je faisais erreur, je vous ordonnais de lui foutre la paix. Je ne lésais personne. C'est vous qui avez planqué ce masque chez Devlin. Ah, bravo. Qu'est-ce que vous croyez que je suis? Je crois que vous êtes un sacré menteur. Ça fait 8 jours. Et il se demandait... Demandez quand tu sortirais. Quand j'aurai une réponse. Alan, je ne crois pas que tu... Chris, c'est sans importance qu'il n'ait aucune preuve que je suis l'homme masqué. Je suis ici pour autre chose. Le mystère n'est éclairci en rien. Je t'ai fait peur.
Tu m'as menacé d'un couteau. J'ai peur de ce qui va nous arriver maintenant. Je veux que ça finisse. Je veux qu'on soit réunis. Qu'est-ce qui vous prend? Monsieur Steiner, le chef veut que je vous conduise à Durham. On vient d'arrêter là-bas un gars pour viol et il portait un masque de cuir, comme ici. Vous n'avez qu'à me suivre. Ok. C'est un demeuré. Il ne peut pas avoir pensé tout seul au coup du masque. Il fait le singe, un point c'est tout. Et vous le savez, les photos de ce masque ont paru pendant des semaines dans les journaux. Tous les cinglés en ont un. Foutaise, il a été pris sur le fait. Masqué, pantalon baissé. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, sacré nom de Dieu? Alan Devlin n'est pas un violeur. Et bien que je répugne à l'admettre, il n'est pas non plus Ed Vincent. C'est encore un cul-de-sac. Et que pensez-vous de Davy? Oh, oubliez-le aussi. Et laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Foutez en l'air ces photographies de Chris Devlin et trouvez-vous une jolie fille en chair et en os. Et laissez Alan Devlin tranquille. Ce malheureux type en a déjà enduré suffisamment. Alors, ça y est. Vous partez. C'est terminé. On a arrêté un gars à Durham aujourd'hui. Il a avoué les viols en bloc. Mais dites-moi, quelle explication donnez-vous à ce masque dans mon jardin? Aucune. Aucune. C'est ce que vous dites. Écoutez, ce masque a été déposé là par quelqu'un. Et ça ne peut être que vous, ou Mike Patterson. Steiner, il faut tout me raconter. À votre aise. J'ai reçu une réponse anonyme au questionnaire que j'avais lancé au sujet d'Ed Vincent. C'était une coupure du Manchester à propos de votre mari, Alan. C'est Mike qui me l'a envoyé. J'en ai aucune preuve, mais je crois que Mike a déposé ici le masque. L'homme au téléphone, c'était lui. Pourquoi voulez-vous qu'il ait fait ça? C'est tout juste s'il connaît Alan. Madame Devlin, Mike a un mur de sa chambre couvert de photographies de vous. On se croirait dans un sanctuaire. Je vous conseille de vous méfier de lui. Qu'est-ce que vous voulez? Je quitte la ville. Et je suis venu m'excuser. Dans le but de me soulager, moi ou vous? J'ai vraiment cru que vous étiez Ed Vincent. Et si j'avais raison, j'avais un devoir envers votre femme et vos enfants. Steiner, ce que vous dites de moi et de ma famille est impardonnable. N'attendez pas de moi votre absolution. Allez-vous-en tout de suite. Foutez le camp. Chose à te dire, Chris. Oh, je ne crois pas, Mike. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Écoute-moi, je t'en prie. Je crois que tes enfants et toi, vous êtes encore en danger aujourd'hui plus que jamais. Vraiment? À cause de qui? Mon mari? Steiner? Ou toi? Tu veux... Hé, attends! Juste une seconde. Écoute. Il y a des choses que j'ai eu tort de faire. Je m'excuse. C'était stupide.
Mais tout ce que j'ai fait, c'était dans le but de vous protéger. Et protéger, c'était placer où il faut des pièces à conviction et menacer les gens par téléphone, d'après toi. Mais Chris, tu dois savoir que jamais je n'aurais fait ce genre de choses. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime, je te le jure. Voilà où est le vrai problème, je le crains. J'en aime un autre que toi. Ce que nous avons vécu ensemble était agréable, mais ce n'était pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est ce que j'éprouve pour mon mari et ma famille. Alors, si tu ressens encore quelque chose pour moi, je te conjure de t'en aller et de nous laisser tranquilles. Je ne veux plus jamais te revoir, Mike. Je sais, mais ça marche si fort qu'on l'entend dans toute la ville. Maman, qu'est-ce que je pourrais ouvrir mes cadeaux? Dès que papa sera rentré à la maison, la fête commencera et tu pourras les ouvrir, tes cadeaux. Marc. Oui. J'ai laissé le garage ouvert. Je n'ai pas trouvé la télécommande. Tu veux bien aller fermer? Tu crois qu'il faut? En tout cas, vivement que papa rentre, parce que moi, je crève de faim. Je reviens. D'accord. Quant à Paul Devine de Manchester, c'est son 5e anniversaire qu'il fête ce soir et il est sûrement à l'écoute en ce moment même. Salut Paul! Marc? Marc? Non, sérieux? Viens fermer le garage. Bon, d'accord. Je te laisse venir toute seule. Je vais par là. Marc? Marc? Qu'est-ce que vous voulez? Thank you.
Gardez la monnaie. Merci. Et une fois encore, souhaitons un très joyeux anniversaire à Paul Devlin. Et dis donc, Paul, il est plus que l'heure d'aller dormir, mon coco, hein? Non, non, je plaisantais, Paul. N'oublions pas non plus Glenn Richards, né à Westwood, et Carrie Condon. Ah, maintenant, revenons à notre jeu du compte à rebours. Alors, la semaine dernière, on en était resté sur le tableau au numéro 39. Ça durerait. Réponds, Lucie. Réponds-moi. Ah, Lucie. Réponds-moi. Ça ne dure pas. Tu crois que je ne savais pas ce que tu faisais? J'espérais que je ferais semblant de ne rien voir. Je t'aime!
J'ai entendu dire que vous partiez. Je suis venue vous dire au revoir. Ça me touche beaucoup. Je n'étais pas tellement sûr que vous vouliez me revoir. Je suis venue vous remercier, au contraire. Sans vous, mes enfants et moi, nous ne serions plus en vie. Je ne sais que dire. L'homme dans le garage n'était pas mon mari. J'ai épousé Alan Devlin et Ed Vincent l'a tué. Comme il avait tué un jour sa femme et ses enfants. Mais croyez-moi, j'aurais préféré me tromper. Au revoir. Thank you.